Théo et Arthur, ils sont très complémentaires. On a Théo, le contreur, qui est assez grand, qui est très imposant physiquement, qui est très à l'écoute, qui est posé, qui a besoin, mais qui est aussi de culture très compétitive. Et puis après, on a Arthur, qui est plutôt le défenseur, qui joue en arrière et qui aime bien ce côté très combatif, très nerveux. Et donc les deux, ils se sont trouvés depuis qu'ils ont 12-13 ans. Et c'est vrai que bon, quand ils sont ensemble, ça fait vraiment une équipe de type très haute performance. Notre duo, ça fait 4 ans maintenant qu'on est ensemble. Et puis ouais, depuis la Thaïlande, on essaye de continuer à travailler pour faire une bonne saison. On va essayer de faire mieux que l'année dernière si on peut, mais aussi bien, ça serait déjà pas mal. Ah, il y a vraiment grand potentiel. Ils sont vraiment talentés. Théo, il est un attaqueur vraiment fort. Et Monsieur Canet, hein, c'est comme la paire, c'est un bon défendeur. Alors, ils sont vraiment complémentaires et ça, c'est bon pour le futur de la France. Il y a plein de secteurs. On peut travailler à un entraînement où on fait que de la réception, de la passe. Moi, je suis bloqueur, donc aussi le bloc. Moi, à l'entraînement, je suis plus défenseur, donc je vais travailler plus les contacts de balles en manchette et les défenses. Du coup, une semaine type, ce serait déjà un entraînement le matin avec des gammes ou un jeu avec beaucoup de jeux. Ça dépend des jours. Après, l'après-midi, ça va retirer sur une muscu, je pense. Je viens en musculation avec mon préparateur physique et mon coéquipier pour travailler mon renforcement musculaire, ma force physique et pour que ça se ressente sur le terrain. Et pour élever mon niveau de jeu et pouvoir frapper plus fort dans les balles, être plus réactif. Et ça m'aide, je ressens vraiment la musculation dans mon jeu. J'essaye de personnaliser le travail déjà en fonction de leur poste, c'est-à-dire le défenseur et le bloqueur, comme c'est une paire qui a une séparation claire des postes. Alors c'est très large, on alterne en général entre des blocs de performance, où on cherche vraiment à développer des qualités physiques, souvent l'explosivité, la qualité de détente, ce genre de choses, et des blocs de renforcement musculaire, c'est-à-dire vraiment soit de l'hypertrophie, prendre un petit peu de masse musculaire, et aussi de l'isolation, c'est-à-dire de faire du renforcement ciblé sur des muscles utiles à la prévention des blessures. Donc voilà, beaucoup de travail de gainage, un petit peu de travail de mobilité, car notre sport nécessite quand même un petit peu d'être mobile un petit peu au niveau articulaire pour aller chercher un petit peu en angle bas. Donc voilà, un travail assez complet. Ensuite, le soir, c'est kiné. Kiné, et on voit aussi un orthoptiste une fois par semaine pour travailler la vitesse des yeux. Les soins sont globalement les soins les mêmes pour Arthur et Théo, mais après, je spécifie en fonction des besoins d'Arthur et Théo. Et je vais utiliser autant que de la kiné que de l'ostéopathie pour Arthur et Théo. Que les soins vont être différents en fonction de leur pathologie ou des déficits qu'on a installés pendant la pré-saison, pendant les tests. Pendant la saison, donc on sait qu'ils vont enchaîner beaucoup de compétitions et les entraînements, donc on a moins de temps en kinésithérapie et en ostéopathie. Donc là, je vais faire à la fois de la récupération, ça permet d'optimiser leur entraînement, leur compétition, et faire des corrections, parce que malheureusement, s'ils ont des blessures pendant les compétitions, ou c'est une phase plus intensive, on va faire des soins pour qu'ils soient au mieux de leur performance pendant les matchs. Forcément, quand on s'entraîne tous les jours et qu'on met en place tout ce qu'il faut pour jouer à haut niveau, il y a des performances qui arrivent et ça arrivait très tôt, mais tant mieux pour nous. Donc, je m'occupe en fait de toute la visibilité, toute leur image. Enfin, l'image de l'équipe en fait de la paire Arthur et Théo. Et l'idée c'est de les accompagner sur tout leur parcours, toutes leurs performances, pour pouvoir essayer de donner un maximum de visibilité via les réseaux sociaux, via le site internet, et tout ça dans le but en fait de qu'ils puissent avoir une certaine image et une visibilité, et derrière pouvoir décrocher peut-être des sponsors, des partenaires. C'est pas un sport individuel, c'est pas un sport collectif, c'est un sport de collaboration. Donc l'idée en fait c'est que c'est de les représenter en une seule équipe, en une seule personne presque. Et en fait finalement de former qu'un tous les deux sportifs et puis former qu'un l'équipe aussi.